Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 9e découverte un petit peu impromptue, puisque c'était pas du tout au programme de la semaine, c'était pas du tout dans le programme que je vous ai foutu sur le Facebook. Dirt Rally vient de nous sauter à la gorge cet après-midi, alors je vous enregistre ça, il est 20h. Nous sommes donc lundi, voilà, lundi, je ne dis pas de bêtises. Et vous allez avoir cette vidéo mardi pour 26€ jusqu'au 4 mai. Au lieu de 29, vous pouvez accéder en avant-première, en early access à Dirt Rally sur Steam. Et on va voir, on va découvrir ensemble. Je n'ai jamais, là je vous le jure, je peux le jurer, je n'ai jamais joué à Dirt Rally puisqu'il vient de sortir tout simplement. Donc on va se lancer ensemble dans le jeu. Aucune sauvegarde n'a été trouvée, forcément. Le jeu est neuf, vous me direz. Sauvegarde automatique activée. Sauvegarde automatique créée. Alors, c'est parti. Alors, prénom. On va mettre Maxou. On va tenter, ça a l'air compliqué. Le nom. Le pilote. Oui, je vais pas mettre mon vrai nom, vous imaginez bien. Sexe normal. Âge. 21-30. Et nous sommes de la Belgique, hein, nom de Dieu. Alors. L'assistance transmission, alors transmission automatique, alors, sachez que on va passer en manuel, caméra embarquée forcée, non, contrôleur manuel de départ, oh, ça c'est déjà bon signe, c'est pas mal, l'ABS, on a le choix entre 5, écoute, on va le laisser à 3, pas d'anti-patinage, pas de contrôle de stabilité, donc chaque fois c'est jusqu'à 5 j'imagine, voilà. On va laisser sans rien. Affichage complet activé. Annonce du copilote normal. Champ de vision caméra. Stabilité caméra. Bah écoutez. Jusque là. Bienvenue dans Dirt Rally. Nous voici sur la ligne de départ. Même parfaitement préparé, il n'est jamais possible de savoir ce qui vous attend avant d'être engagé plein gaz dans la course. Votre participation à l'accès anticipé est essentielle pour le développement de Dirt. Nous avons de nombreuses idées, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus. Vous aussi, sans doute. Oui. Ensemble, nous allons créer le meilleur jeu possible afin que Dirt Rally réponde parfaitement aux attentes de chacun. Faites-nous mieux que Richard Burns Rally. Moi, j'attends depuis plus de 10 ans un jeu qui pourra me faire dire oui, c'est mieux que Richard Burns Rally. Ce sera impossible sans votre aide. Merci de nous accompagner dans ce formidable voyage. Bah écoutez, si j'ai pu le payer 15€ moins cher. 17 voitures. Oui. Donc 17 voitures. Bien. 36 étapes. Pas mal. C'est vous, votre copilote et votre voiture face à la route pour commencer. Nous allons suivre les pistes forestières boueuses du Pays de Galles, les sentiers poussiéreux de la Grèce et le tarmac glacé du légendaire rallye de Monte Carlo. Événement en ligne, mesurez-vous au reste du monde. Ah, bien évidemment, ça ne marche pas. La roulette non plus. Eh bien, comment on descend? Si, voilà. Événement en ligne, mesurez-vous au reste du monde. Simulation de la conduite, gestion de l'équipe. Embaucher, licencier les membres de l'équipe. Bien, un petit peu de gestion. Pour vous remercier de votre soutien pendant l'accès anticipé, nous vous offrons un livret spécial Dirt Rally pour la Subaru de 95. Pas de soucis, prochains mois vont être vraiment excitants pour nous, et nous espérons que ça le sera pour vous aussi. Bon, bah écoutez, ça met en bouche en tout cas. Alors, oh, les menus Windows 8, comme on aime bien. Alors, donc on a plusieurs onglets, Rally, Ligue, Épreuve Solo, Options et Extra. Profil, on va aller voir notre profil. Préférences de jeu, c'est ce que nous avons modifié. Information du pilote, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Statistiques du pilote, d'accord. Alors, il y a des crédits, il y a des succès Steam. Je pense qu'il y a une cinquantaine de succès sur Steam. Alors, Options et Extra. Commande, c'est là que les Romains s'empoignent. Alors, Vibration et Force. Activé, force 50%, tourner à gauche, semi-colon, déjà, ça. Bon, on va pas faire de blagues dégueulasses, tourner à droite, ok, accélérer, freiner, frein à main, on va le mettre là, c'est toujours pas, regarder derrière, ici, changer de caméra, relancer, regarder à gauche. Regardez à droite. Ah, je fais tout avec vous, là, hein, les amis. Vitesse supérieure, hop. Vitesse inférieure, hop. Ok, bah écoutez. Réglage volant avancé. Oh là, zone inactive, non. Linéarité, zone inactive. Dommage qu'on ne soit pas le faire directement. Donc ça a l'air fait. Vibration et force. Donc ça, on est allé voir, oui. Force du volant, on va mettre...
50% aussi, hein, les amis, comme ça on ne va pas être trop saturé. L'ATH, affichage complet, comment dire, copilote, oui, progression. On va laisser en complet, on va découvrir ensemble. Alors, niveau de l'audio, oui, alors moi je vais juste faire ceci, comme je fais toujours dans les jeux de rallye, c'est-à-dire que je laisse la voix du copilote un petit peu plus forte. Graphisme, choisir les pré-réglages élevés, donc qualité avancée. Ah bon, on va tout mettre en ultra, on est des malades. Occlusion ambiante avancée. On va laisser désactiver. Rétroviseur élevé. Terrain. On va tout mettre en ultra, comme ça vous aurez une bonne vue. Ce sera du 1080p 60 fps. Trace de dérapage. Texture ultra, ultra. Fumée. Bon, je pense qu'on a quasiment tout mis en ultra. On va pas faire le banc d'essai. On applique les votés, oui, ça c'est comme dans tous les jeux. Les crédits et les informations juridiques si vous êtes un sale pirate. Bon, le profil élite, bah écoutez, on va commencer la carrière. Championnat, épreuve en ligne, gestion d'équipe au garage. 50 000 crédits, je vois, notre équipe 5, en haut à droite, vous pouvez voir. Donc si on fait gestion de l'équipe, votre équipe vous demande d'avoir un véhicule, commencez une épreuve ou rendez-vous dans votre garage pour acheter un véhicule. Bah écoutez, on va aller dans le garage alors. Alors, années 60, années 70, oh là là, années 80, oh, groupe B, groupe A, oh, années 2010. Les amis, j'ai un petit orgasme, non, je déconne. Mini Cooper, Lancia, Fluvia, très bon choix. Années 70, Abarth, Mark II, Stratos, 75 000, mon Dieu. La M3 E30 et la Sierra Cosworth, alors là, les années 80, merci les amis. Le groupe B, alors là, il y a du choix par contre. Là, franchement, le groupe B, ça, le groupe B, pardon. Ça a toujours été un truc qui a été défendu dans les Colin McRae et dans les rallyes, les dirt depuis des années. La métro qui est parfois oubliée. La Quattro bien entendu, la RS200, la 205 Turbo 16 et la Lancia Delta. Le groupe A, alors groupe A, groupe des années 90, hein, dont Colin McRae a été champion, je vous le rappelle, en 95 avec 7 voitures, la Subaru Impreza, qui sont bizarrement plus chères que les groupes B. Et dans les années 2010, on a Mini et Ford. Bon. Bah écoutez, le choix des voitures est déjà très sympathique, donc on doit, je ne sais pas en fait, parce qu'on doit sélectionner une voiture à 50 000 crédits, donc je pense que le mieux c'est championnat. Alors on a, ouh, on a du rallye et de la course de côte, donc le hill climb, hein, vous devez monter la côte. Rallye championnat open Argolis Grèce, épreuve terminée 0 sur 3, bah écoutez on va se lancer, donc on a le choix, on doit acheter une voiture, mais je sais pas, j'imagine qu'il n'y en a qu'une qui est dans nos... Dans nos moyens, d'accord, donc on doit commencer dans les années 60, j'imagine. Ce que j'ai bien vérifié, oui. Donc on est condamné en fait à faire par époque. Donc on a le choix entre la Mini Cooper et la Lancia Fluvia. Alors au niveau de la puissance, on a un peu plus, elle est plus lourde. 4 vitesses, et ce sont deux tractions de toute manière. 4 en ligne ou un 4-6. Je vais prendre la Lancia, parce qu'elle est oui, un peu plus chère, mais... Allez, on va lancer... Alors, on a 7 livrets disponibles, quelques succès qui se sont débloqués. Alors, si on sélectionne la voiture, non, j'aurais juste voulu d'abord changer la couleur, mais visiblement, on partira avec une livrée verte dès que je lance. Alors, 77%, enfin 77% de gravier, pardon. Donc, on est en Grèce, un circuit que, enfin un pays que j'aime beaucoup. Alors, pas de neige, soirée dégagée. Bon, écoutez, on va se lancer, on verra bien. Au niveau du volant, on est en 270 degrés. Pas de nom officiel, donc années 60, championnat open. Alors, on a quoi? On a le shakedown. Ah, on peut faire un shakedown. D'accord, bah écoutez, c'est pas ce que je voulais faire tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, go. 60, crête, droite 6. Merci, bon bah écoutez... Nous voilà, malgré nous, lancés. Sur droite 4, semi-long. Sur gauche 4, long. Sur droite 3. Alors, au niveau du volant, les sensations sont pas terribles. Sur gauche 6, crête. Pour l'instant. Et gauche 5, sur crête, s'ouvre, crête, ferme. Droite 4, sans couper. 100. J'ai pas du tout de résistance dans le volant, c'est un peu décevant. Sur droite 3, long.
peu saccadé. Pas mal de clipping. Pas mal d'aliasing, pardon. Sur gauche 6, continue 80, petite crête. Sur droite 6, long. Sur gauche 6. Je suis en train de regarder les détails sur le tableau de bord. Alors, comme d'habitude, dans les. On va dire dans les dirt, hein, mais bon. Dans les jeux de Codemasters de rallye, on a toujours de. Des notes assez faciles, donc gauche 2, gauche 3. Gauche 1, continue sur 100. Alors, gauche 1. Alors, je suis en 270 degrés, j'ai quelque chose qui ne correspond pas forcément. Je suis gêné en fait par le manque d'ATH au niveau du contour. Je suis en train de regarder un peu ce que propose la voiture. On a un train arrière qui est très baladeur, donc j'ai l'impression un peu l'impression de naviguer. Et sur l'arrivée, on a terminé. Bon, j'ai pas piloté du mieux du monde. Donc c'était le shakedown, d'accord. Ah bah voilà, on peut régler le véhicule, d'accord. Alors ça c'est déjà plus intéressant. Répartition du freinage, différentiel, rapport de boîte. Donc là on est déjà un peu plus précis. D'accord, on a déjà... Donc on peut les sauvegarder au premier emplacement. Nom du pré-réglage, on va mettre... Terre 1. Voilà. Donc, normalement, c'est pour le gravier. Donc, il vous indique aussi que c'est pour le gravier. Donc, information, donc classement, il n'y a rien forcément. Enregistrer et accéder au menu. Si je fais F1, donc c'est pour quitter. D'accord. Bah, écoutez, on va commencer la course. Cinq, quatre, trois, deux, un. Go. 60 crête, droite 6. Et là, malheureusement, la TH disparaît. Ça, c'est un peu dommage. Et gauche 5. Donc, on va rester dans cette vue-là. Sur droite 4, semi-long. Sur gauche 4. J'ai besoin d'un ATH. Sur droite 3. Sur gauche 6, crête. Alors, la dame qui nous sert de copilote est pas très, pas très énervée. Droite 4, sans couper. 100. Gauche 1, longue crête. Sur droite 3, long. On est un petit peu allé au large. J'essaie en fait d'écouter. Je vais vous laisser profiter et moi je vais me concentrer un petit peu. Sur gauche 6, continue 80, petite crête. Sur droite 6, long. Sur gauche 6, long, sur bosse, crête 80. Droite 5, semi-long. Et gauche 4, 60. Serre à droite sur crête. Gauche 1, continue sur 100. Sur droite 6. Serré à gauche sur crête. Sur droite 6, sur crête, possible saut 80. Gauche 6. Sur droite 5, ferme sur 2. We're well down. Et gauche 5, continue sur 80. Attention, étroit 60, crête. Droite 6, long, continue sur crête, possible saut 80. Droite 5, sur crête, possible saut sans couper, 60, étroit. Gauche 5, semi-long, 60. Droite 5, semi-long, ferme sur 3, long, sans couper, 80. Bon, bah, première sortie. Alors j'ai un mauvais feeling avec la voiture, c'est hallucinant. Je me traîne, mais alors vraiment, je sais pas si c'est la caméra, ou si c'est la sensation, mais pourtant j'ai pas d'assistance, donc j'ai rien qui me ralentit. Et j'ai vraiment l'impression de me balader, et je me prends 8 ou 10 secondes dans la vue, il y a des gros coups de freeze sur l'écran. Bon, on va dire que c'est pas trop grave, bon désolé pour la sortie les amis. 60. Droite 6, semi-long. Gauche 6, 80, serré à gauche après jonction. Elle m'endort un petit peu, la dame à côté. Je suis navré, hein, mais elle manque de peps complètement. Milieu sur petite crête après jonction. Alors, en fait, quand la voiture commence à prendre de la vitesse, elle devient intéressante et un peu plus dure à maîtriser. Mais c'est trop rare pour l'instant dans ce style de... grosse bosse. Alors, j'ai l'impression que dès que la voiture va sauter du...
du sol, il y a un freeze. On est 38 secondes. On a 38 secondes dans la vue, les amis. Donc je crois qu'il y a vraiment un souci pour que je me traîne à ce point-là. Oh! Il y avait un fauché à gauche. Gauche 1, semi-long sans couper. Droite 6, 60, bosse. Droite 6, 60. On tente le petit coup de frein à main. Et droite 5, long, s'ouvre. Alors, il y a pas mal de frise malgré tout. Et gauche 2, ça, c'est peut-être dû à mon PC aussi. Hein. Faut pas prendre ça pour content. Ouh là là, et je roule pas forcément super top. Enfin, deux tronçons et prendre ces 40 secondes qu'on a pris, les gars, en je sais pas combien de kilomètres. Alors, les essuie-glaces sont totalement useless, servent absolument à rien, puisqu'il n'y a pas de saleté sur le pare-brise. On voit même pas la différence entre l'emplacement de l'essuie-glace et où il ne passe pas. Mais taisez-vous, madame, vous ne servez à rien. Alors, droite 4, alors il faut savoir, pour ceux qui n'ont jamais joué à un jeu de rallye, si vous débarquez, que vous dites, tiens, j'ai envie d'essayer un bon jeu sur Steam, eh bien écoutez, quand vous pilotez avec, enfin quand vous roulez, oh là, on est pas mal passé, avec ce style de jeu, hein, de ce développeur et de ce groupe de Codemasters, vous avez de 1 à 6 le nombre de virages, et en fait, plus le chiffre est haut, plus vous passez vite. Là, on est à 46 secondes, alors il y a, à chaque tronçon, nous dit un gars qui passe, j'imagine que c'est, je sais pas, peut-être l'équipe à la radio qui me dit, vous êtes derrière en anglais. Ça, par contre, c'est pas encore traduit. Par contre, c'est pas en anglais, hein. C'est déjà en français. Oh là, la magnifique sortie! Alors, F2, on va se remettre sur le tracé. Ah, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et j'ai pas de temps de réaction dans le volant, regardez. C'est assez bizarre comme sensation. Alors, le scandale qu'il n'y ait pas de... d'indication pour la boîte. Ici, je sais qu'il y a le digital à droite, là, mais c'est pas très évident. Une simple diode rouge pour m'indiquer que je suis au rupteur serait sympa, parce que le son du moteur m'indique pas réellement où j'en suis dans le moteur. Alors, je suis en 270 degrés, c'est peut-être ça le problème. Ah si, de cette place-ci, on voit la différence entre l'emplacement de l'essuie-glace, où il passe et où il ne passe pas. Écoutez, on n'est pas prêt d'être champion. Oh, magnifique. Alors, on était sur les Armco, là, c'était magnifique. Alors, en fait, j'ai un manque de ressenti de la voiture. C'est-à-dire que la voiture se navigue. Comme je vous disais, elle navigue, elle n'est pas vraiment entre mes mains. Et on va enfin... Alors, est-ce qu'on va avoir droit, comme dans V-Rally, à au moins on n'est pas mort ou... Étape terminée. Eh ben, ça aurait été une étape de calvaire. 6 minutes 19 d'angoisse, les amis. On est quatrième quand même à 1 minute 14. Alors les écarts sont assez assez grands quand même. On va voir un petit peu le replay, voir ce que ça donne. Et gauche 5. Sur droite 4, semi-long. Sur gauche 4, long. Sur... On va pas se mater tout le replay, mais on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble en tout cas. F7, F8 pour les caméras. Est-ce qu'il n'y a pas une caméra... Il n'y a pas de caméra bord de tracé ? Bah, en tout cas, c'est joli. Oui, pour du... Bah, ça ressemble fort au dernier dirt qu'on a eu sur nos... Alors, comment on quitte ce truc, s'il vous plaît ? Merci. Ça ressemble beaucoup au dirt, alors... Progression Top Chef 3 sur 5. On verra un petit peu les succès s'il faut plus tard. Alors, mi-journée en soleil. Position actuelle, 4ème. Donc les écarts sont assez importants. Donc on est 4ème malgré qu'on a presque pris... Enfin, pris plus d'une minute de retard. Et je viens d'avoir un magnifique retour bureau. Bon. On va reparler un petit peu de la stabilité du jeu, je pense. Alors, on a... rebonjour. Alors, vous, il y a eu 2 secondes. Moi, il y a eu 10 minutes. J'ai tenté de continuer la carrière, mais j'ai eu un incessant plantage, tout simplement. Donc, le jeu ne voulait pas passer à la deuxième course. Donc, on passe à la deuxième épreuve, le Pays de Galles. On va voir si on peut continuer. Pour l'instant, c'est de l'early access, hein, les amis. Donc, voilà, restons conscients de la réalité des choses. Ce n'est pas un jeu fini. Donc j'ai changé pas mal de réglages. 4,
3, 2, 1, go. Droite 6 sur droite 4, long, bûche intérieure. Droite 6 sur droite 4, sur crête. Sur attention, droite 5 sur crête, possible saut, porte. Et épingle gauche. Petit frein à main, non. Oui, il est là. Voilà, j'avais mal placé le frein à main, il s'est remal placé du coup. Bosse droite 6 sur crête. Donc au niveau du volant, on va essayer d'avoir quelques sensations. Donc on est au Pays de Galles, un rallye que j'adore personnellement. Porte dans descente. Sur droite 6, long sur crête. Là par contre il y a trop de force dans le volant, je suis passé à tout à 70 au lieu des 50%, bah il fallait prendre 60 Maxou. Petit frein à main, ah, le frein à main est vraiment mal placé. Sur gauche 6 sur crête 60. Ouais, ça va pas fort. Gauche 5 sur crête 60. Alors c'est des tractions, hein. On n'a pas encore testé ni de la propulsion ni des 4 roues motrices bien sûr. Alors je me bats pas mal avec le volant mais jusque là c'est pilotable. Saut sur droite 5, on va être prudent. Droite 6, corde 80. Gauche 6, corde, crête 100. Droite 6, semi-long et attention, droite 2, trompeur. Oh, alors une fois qu'il faut... Ouais voilà, en fait, une fois qu'il faut braquer, j'ai rien qui vient. Donc on va nous ramener sur la piste si on ne sait pas se faire ça tout seul. Vite, 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 vite. Oh, on était pas loin. Pénalité de 4 secondes. Bah oui, tiens, il n'y avait pas assez avec avec les soucis. On va essayer de piloter avec cette vue-là. Sinon, le modèle... bon, les textures sont... Oh, freinons, freinons. J'espère que c'était à gauche. J'ai failli partir à droite. Donc, ce que je tentais de vous dire, c'est qu'on va essayer de piloter comme ça. Au niveau des textures, la voiture est plutôt convaincante. Bah, ça reste du dirt. En fait, je vois pas vraiment d'évolution pour l'instant comparé à ce qu'on avait lors de la dernière édition hein, de la série Dirt. Donc le Dirt 3, puisqu'il y a eu le Dirt Showdown, mais je considère pas ça comme un vrai Dirt. C'était plus une démo. Alors je vais aller me manger un pick-up. Ah, c'est dommage qu'on ait pas le temps de revenir en piste parce qu'on perd du temps. Alors je vais peut-être devoir rajouter peut-être des assistances au niveau de la stabilité et du freinage. Peut-être changer un peu le style de pilotage. J'étais en quatrième, je n'étais même pas rendu compte. Et chaque virage est un supplice. Gauche 5, long 60. Gauche 6, 150. Crête, possible saut. Serré à gauche sur crête, saut et milieu sur crête et droite 6. Et gauche 6, 60. Serré à gauche sur crête. Sur droite 6, intérieur crête. Sur gauche 6. Oh, ça va, c'est... je me fais des frayeurs les amis. Alors ça vaut 26 € pour l'instant. Jusqu'au 4 mai. Allez, en troisième là ça doit passer s'il te plaît. Allez. Oh non, c'est pas possible. Bon, on est tombé sur la terre la plus dure de l'humanité. Et on se prend 56 secondes dans la vue. Donc à chaque fois, on est une minute plus lent que le leader, à peu près. Hein, par spécial, à moins qu'on fasse vraiment une grosse saute et qu'on termine sur le toit. Et c'est pas avec l'abandon de la première étape qu'on aura pu faire quelque chose de bien. Oh là là. Non, il y a trop de force dans le volant. Ah, c'est ça les découvertes, hein, les amis, c'est pas forcément du beau jeu, c'est pas forcément le meilleur gameplay de l'humanité. Mais je suis comme vous si... Oh, alors là, par contre, ça c'est un scandale. Je suis outré. Alors, 3, remettre sur le circuit, à quoi correspond le 3? Eh bien, c'est de cette touche-là. Oh là là, par contre, ouais, c'est vrai que nous imposer ce style de voiture dès le début... Peut-être pas ce qui donne la meilleure atout du jeu, parce que les années 60, c'est très particulier, je me rappelle déjà dans le Dirt 3... Les années 60 étaient très particulières, non pas mauvaises, mais très atypiques. Alors au niveau des effets d'eau, c'est pas mal. Ça va, il y a du reflet. Non, les textures, honnêtement, c'est convaincant, c'est joli. C'est pas du Milestone, hein. Coucou Sébastien Lobre Alievo et WRC5. Alors c'est vrai que ça arrivait un petit peu comme une surprise, la délivrance de l'arrivée. Bon, on n'a pas cassé l'auto, mais on n'a pas cassé la baraque. Très bonne expression. Donc...
On va continuer. Donc là, cette fois-ci, on a fait 8ème. C'était vraiment... On a fait beaucoup plus d'erreurs que tout à l'heure. J'ai changé la livrée. Je me suis dit, bon, voilà. Alors, est-ce que ça va replanter pour la deuxième manche de chaque course? Petite ambiance sympathique. Binôme Orland. Est-ce que ça va planter? Non! Ça marche! Ouf! 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors j'aimerais vraiment le tester avec une boîte en hache qui va arriver d'ici quelques jours. Alors, on a enfin des traces d'essuie-glace qu'on n'avait pas lors du rallye de Grèce. Donc je retire ce que j'ai dit. Mais piloter quand on ne connaît pas comme ça et discuter en même temps, c'est très compliqué. Je suis pas Jimmy Broadbent ou un autre spécialiste. Ah, alors le feeling de la voiture est un petit peu meilleur. Alors toujours ce souci de sous-virage, hein, une fois qu'on est à la dérive. Alors heureusement qu'il y a des annotations en haut. Pour les essuie-glaces, c'est pas la meilleure chose du jeu. Par contre, la voix de la fille n'est pas... La copilote n'est pas la plus... Elle manque de... Oh ! Ah oui, bah voilà. Bonjour, les barrières. Donc c'est pas encore cette fois-ci. Au niveau du son, ça va encore, le moteur. Par contre, le public est absent. C'est dommage. Il manque un peu de monde. Je rappelle, c'est de l'alpha, les amis. C'est de l'early access. Enfin, c'est pas de l'alpha, pardon. C'est de l'early access. Alors, on va essayer de faire 4. Normalement, le 3, il peut se passer en accélérant. Droite 5, sur gauche 5. Sur droite 2. En tout cas, c'est pas de la simu, ça c'est clair et net, ça se sent tout de suite. C'est un petit peu compliqué à prendre en main, forcément, comme tout jeu de rallye qui se respecte. Oh là là, Maxou, s'il te plaît. On fera pas un secteur dans le vert, je pense, lors de cette découverte. En tout cas, le filtre texture est plutôt agréable. On va se parler honnêtement, ça ressemble un petit peu à des caméras embarquées de rallye. Jusque-là, ça va, ça me contente. Par contre... Ouais, les freinages, non, le bruitage est pas mauvais non plus. Bon, mon skill est lamentable, vous le savez. C'est toujours comme ça dans les découvertes. Le coup d'essuie-glace qui est le bienvenu. Alors, gauche 6 sur gauche 3, donc normalement on doit ralentir. Là, au niveau du son, c'est vraiment convaincant. Voilà, 24 secondes, ça va, on fait mieux que la dernière fois. 40, à mi-spécé, on était déjà à une minute. Là, on est juste là, on fait pas de faute. Oh là, alors là, il y avait eu trop de notes. J'ai pas du tout suivi, madame. Normalement, il y a une épingle à droite, épingle ouverte. Première, frein à main. Non, le frein à main était absolument useless. La petite ornière qui va bien pour placer la roue à l'intérieur. Gauche 4, ferme, sans couper. Sur droite 6, semi-longue, 60. Oh, ça va être le choc. Attention, droite 5, longue, sur épingle gauche. Donc pour l'instant, pas d'affichage de dégâts. Donc le son est vraiment convaincant pour l'instant. Je m'y crois un petit peu. Le frein à main, vous voyez qu'on l'a mis. C'est fluide. Bon, c'est un petit manque de stabilité pour certaines choses, mais honnêtement, ça va. L'idée des notes écrites vraiment en feutre et en stylo... Comme on est 30 secondes derrière, les gars, 3 quarts de la spéciale, ça va. Alors, ralentissement, projection d'eau. Alors, j'ai hâte de voir les projections d'eau. Oui, merci, ça c'est pas mal. On va tenter le frein à main. Non, c'est de la merde. Alors je suis sûr que le frein à main avec des groupas, ça va être plus facile qu'avec ce style de voiture. Il se porte pas trop au frein à main. Et sympa, hein. Bon, le public est totalement absent de l'audio, mais il y a des bonnes idées. Droite 2, porte s'ouvre après jonction. Encore de la flotte. On ne voit rien. Ça ne perd pas en fluidité. Le jeu reste à 60, visiblement constant. Donc on est en 60 FPS, bien évidemment. Le jeu ne ralentit pas dès qu'ils doivent afficher de l'eau. Il y a pas mal d'infos, finalement,
affichés en même temps. Écoutez, on va faire allez, 32 secondes, on est bien mieux, voilà. On a fait une bonne étape, on peut même être dans le top 5, je pense, avec 30 secondes de retard. Les salissures, regardez ça, on est 3e, à 33 secondes des meilleurs, donc visiblement, il faut une Mini Cooper. Peut-être la session, on verra où on en est après, si le jeu ne plante pas. Plutôt convaincant ce Pays de Galles, alors c'est de la boue, moi j'aime bien. Après-midi couvert, je pense qu'on va tous se les taper. Ah, celui-là peut-être, oui. Gravier intermédiaire, 60%. Donc on a un peu les infos, ça c'est pas mal. On a remonté au général lors de la seconde étape. Non, bah écoutez, pour l'instant c'est pas mal. Vous savez bien que je ne vous donne pas un avis après une demi-heure de course sur un jeu qu'on découvre. Votre véhicule n'a pas été réparé, voulez-vous le réparer? Est-ce qu'on peut pas choisir si on fait retour? Non, bah oui, réparons-le alors. Alors, le classique. Donc, qu'est-ce qu'on a cassé? On a un peu abîmé le moteur, la boîte. Ah, et là, on dépasse déjà... On dépasse déjà le temps. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Suspension, roue, arbre de transmission, boîte de vitesse, moteur. Bon, bah, si le moteur a pris un petit peu, c'est pas grave. On va privilégier la transmission. Et donc, on peut prendre des pénalités de secondes. En 30 secondes, une minute. Bon bah écoutez, on va déjà éviter les... Ah, les recommandations de l'équipe, ça c'est pas mal. Donc, ouais, ok, d'accord. Donc, d'accord, on a... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Go. 40, droite 2, ferme sur 1, descente. Sur gauche 4, virage immédiat 90 degrés, gauche 60, serrez à droite sur petite crête. Allez, allez s'il te plaît. Donc un gros sous-virage, mais je pense que ça c'est dans les Z, hein. Ça correspond pas à mon skill. Un vrai pilote avec... Oh, fallait tourner à gauche. Oh. Alors là par contre, est-ce qu'on peut juste recommencer celle-là? Oui, on va la recommencer. Ah, ça coûte des crédits de recommencer. Ah, ouais, pas mal. 3, 2, 1, go. 40, droite 2, ferme sur... Alors la direction est un petit peu faussée, puisque quand j'ai démarré, le volant est parti sur la droite. Alors on va essayer de le prendre mieux, avec le frein à main. Sur petite crête. Sur gauche 2, ferme sur 1. Ah voilà, c'est le sur 1 que j'avais pas entendu. Voilà, qui m'impose de ralentir. Sur gauche 6. Sur droite 2, longue crête. Sur gauche 4, ligne droite sur 2 crêtes. Sur gauche 3, long 60. Gauche 6 sur crête. Droite 2, long sans couper. Sur gauche 3, long. Et droite 4 sur crête. Gauche 6 sur crête, possible saut. Droite 3, long 60. Attention, gauche 4, serré à droite sur grand saut. Sur gauche 3, et 3, 40. Well down. Droite 6. Sur gauche 5, serré à droite sur crête. Gauche 5, serré à droite sur crête. Gauche 6, long, sur droite 6. Serré à gauche sur crête. Gauche 4, s'ouvre, long. Gauche 3, long. Sur droite, 6. Gauche 6, à travers porte, 60. Gauche 4, sur droite 4, long, milieu sur grand saut, porte gauche, 6. Ça va, on s'en sort. Jusque-là, on s'en sort pas mal. Sur gauche 5, long, sans couper, 40. Ouh, là par contre. Ah, là par contre, ça va pas le faire. Et bien sûr, on a le moteur qui... Ah, c'est dommage, on était pas mal. On était pas mal. Et là, on a, par contre, on a le moteur qui a pris un coup. Ah, c'est dommage, les amis, on avait un bon rythme. Et là, l'erreur. Bon, bah écoutez, on découvre les spéciales. Sur droite 6, gauche 6, 200. Gauche 5 sur, attention, droite 4, oh, la voiture qui tire saut, complètement. Oui, la voiture qui tire à gauche en fait, voilà. La voiture qui est plus tout à fait droite. Sur gauche 5, semi-long, 100.
gauche 5. Ouais, bah écoutez, j'assimile un petit peu les notes, je découvre un peu le système, qui est assez classique, mais... Milieu, bûche extérieure. Bûche extérieure, alors là... Bah moi qui attendais le TH8R pour les jeux de rallye, malheureusement, celui-ci, on l'aura testé aux palettes. Sur droite 5, continue, 130, épingle droite. Allez, donc on manque, en fait, on n'est pas encore assez à l'aise pour arriver... Sur gauche 6, pour arriver 60. Vite avec le frein à main, fait que ce soit une traction n'aide pas non plus. Des verres négatifs sans couper, d'accord. Donc on va pas couper, on va obéir à la dame. Oh, le sous-virage, oui, bah écoutez, mais je me bats avec mon volant qui est en grosse difficulté visiblement. En tout cas, avec un petit peu d'appréhension. Et avec un petit peu de pratique, on commence à se calmer derrière le volant et à apprécier le jeu. Parce que, alors, je vais rassurer tout de suite les ultras, on va dire, de Richard Burns Rally. Je pense que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, les gars, hein, parce que certes, il a l'air très bon, mais c'est pas encore du Richard Burns. Mais c'est pas mal. Et on va enfin en terminer. En finir, pardon, avec cette étape. Bon, on avait bien débuté, on avait que 13 secondes à la mi-course. Et on fait le quatrième temps à 53 secondes. Donc je pense qu'au général, on doit être 4-5e. Voilà, 4e. Ah, on est que 4 secondes devant le 5e. Faudra faire gaffe. Enfin, 5 secondes, ouais. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien quand le jeu est stable. Donc on va faire la dernière étape. Où on a remonté, vous voyez qu'on a perdu beaucoup la première spéciale. Ici, on a donc petit gravier 62% et gravier intermédiaire 38%. Donc on va continuer ce championnat open année 60s. En tout cas, la voiture est plutôt agréable à piloter malgré les soucis techniques. Pas de check-down, donc on ira jusqu'au bout avec un souci moteur. 60 sur crête, gauche 6 et droite 6. Alors j'espère que cette caméra ne vous gêne pas, les amis. Moi j'aime beaucoup parce que ça me permet d'appréhender la route et surtout d'avoir le HUD en bas à droite. Qu'on n'a pas en caméra. Et droite 5. En caméra première personne. Et gauche 6, semi-long, 80 sur crête. Gauche 6, droite 5, 60. Serré à droite sur crête, 150 dans descente. Droite 6, 150. Descente. On droite passe 6, la quatrième. Gauche 5, semi-long sur crête, 100. Pour le gauche 5, j'ai préféré ralentir, je vois que j'ai bien fait. Serré à gauche sur crête, 80 sur crête, droite 6 et crête. On enchaîne les sauts, c'est pire qu'en Finlande. On n'est pas au rallye des 1000 lacs, mais quand même. En tout cas, ça, je sais pas vous, mais moi, dans mon cœur, ça me rappelle un petit peu. Ça me rappelle un petit peu rallye 2000 que j'allais vous faire en coup d'œil dans le rétro et que je vais vous faire de toute façon en coup d'œil dans le rétro. Je sais pas si c'est le fait que ce soit le Pays de Galles, mais voilà, la colorimétrie, l'ambiance, les flèches. Ça me rappelle un peu ce Rallye 2000 qui était un jeu de rallye qui reprenait le championnat anglais national de rallye, hein, tout simplement. Et là, pour l'instant, on est vraiment pas mal. Donc on a fait bien sûr un premier secteur dans le rouge, parce que je pense que ça va être difficile d'aller faire un secteur dans le vert. Une épingle droite. Au niveau du son, par contre, je suis bluffé au niveau du son. C'est vraiment pas mal. Allez, s'il te plaît. Relance, donc il y a vraiment la gestion des freins à main qui est difficile. Ah, le public s'agite un petit peu. Quand même, ils ont froid les garçons, hein, faut les comprendre, les supporters. Gauche 6, à travers poteau, et je ne connais 60, pas plus amoureux et plus fervent que le supporter de rallye, je crois. Parce que passer des nuits à camper dans les forêts... Gauche 6, 60, well down, parce qu'on a pris que 6 secondes, on nous dit... Ah non, went down, pardon, on a descendu. Donc faut pas qu'on perde trop de temps par rapport au garçon derrière, donc 6 secondes ça reste... correct, parce qu'on était en bagarre avec lui, donc on se bat pour le top 5. Je pense qu'on devrait l'accrocher si on fait pas trop de bêtises, comme ça par exemple. Ouf, bah voilà. Bah, il suffit de le dire, ça c'est tout moi. Et 15 secondes de pénalité, oulala. Ah oui, donc là c'est terminé par contre. Bon bah écoutez, je vais vous parler franchement, ça fait quelques spéciales qu'on roule. J'ai un bon feeling pour ce jeu.
honnêtement. Maintenant que je l'apprécie, parce qu'il faut. Bah, c'est comme tous les jeux, les amis, ça se travaille, c'est pas une simu, loin de là. Mais la physique du jeu et le comportement des voitures sur le gravier est plutôt. Oh, est plutôt accurate. Oh là là, et les tonneaux, et bien voilà. On attendait le tonneau. Et je viens d'avoir un succès. Réception réussie. Donc on va relancer une deuxième fois le véhicule. Et de nouveau 15 secondes dans la vue. On va voir ce qu'on peut. Oh là là, mais est-ce qu'on peut se revenir sur la piste? Merci. Parce que là, c'était compliqué au niveau de la direction. Alors, la direction est complètement faussée, hein, les amis. Vous ne me voyez pas rouler, il n'y a pas de wheel cam, mais. Mais ça reste compliqué. Alors, je déteste rouler, mais bon, je vous montre le jeu, hein, donc voilà. Je vous montre un petit peu toutes les vues. Une minute, donc là, je pense qu'on peut dire au revoir au top 5. C'était déjà totalement impossible d'y s'y croire. La vue par choc. Qui donne un bon effet de fluidité, honnêtement, ça va. Ça fait pas. Alors, par contre, le jeu a beau être en. Oh, oulala! Droite 6 dans descente, serré à droite. Allez, remonte, 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 cocotte. Non, elle remontera pas. Je me suis cru. Je me suis. En fait, je vous fais un. Non, on va recommencer, il est fou lui. Ah, parce qu'on a plus le choix. D'accord. Donc, on va devoir se remettre sur le tracé comme ça, d'accord. Et encore 5 secondes de pénalité, c'est festival. Bon bah écoutez. Franchement. Attention, gauche 3, long à travers coteau. C'est vraiment pas mal. Ça a sa petite difficulté. Et porte je pense que je vais vous faire hein, une soirée live sur ce porte jeu. Gauche 4, corde. Histoire de vous montrer quelques trucs parce que quand même. Sur droite 5, semi-long, tout le monde ne mettra pas 30 boules là-dedans. Hein. On va se parler franchement. Moi je les ai mis parce que. Parce que c'est pour vous, c'est mon devoir. Et parce que j'avais envie d'un bon dirt. Et comme il nous est arrivé sous le nez comme ça, hop, genre, tiens, coucou, viens, viens goûter. Eh ben, on va. Oh, oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, il y a plusieurs points positifs. Il y a quelques points négatifs. Mais les points négatifs, on va vite s'en faire le tour parce qu'ils sont pas vraiment nombreux. Je vais pas vous donner un avis sur le jeu maintenant. Vous savez bien que je ne fais jamais un avis au bout de 4 spéciales. Hein. C'est pas ça qui fait le but d'un jeu. Bon, on a abîmé la voiture complet. On a fait 6ème à 1 minute 23. Et on est 5ème, miracle, les amis. À 4 minutes 14 du premier. Oh mon dieu, quelle horreur. Bon, bah, on est 5ème. On va dire qu'objectif réussi. Hein, voilà. On va dire qu'objectif réussi. Alors, terminer 5ème, ça nous donne 13 000 crédits, 5 000 de récompenses et les réparations 3 000, donc on prend au total 15 000 crédits. Alors, amélioration moteur 1, allègement étape 1, progression 70%. Ok. Donc, donc pour passer à, au niveau suivant, il va falloir monter au niveau des points. Donc pour l'instant, on est 7ème. Oui, puisqu'on a fait 15ème à la première étape, puisqu'on a dû abandonner, étant donné que le jeu ne voulait pas nous charger la seconde spéciale. Donc on a été condamné à l'abandon lors du rallye de Grèce. Et on attaque maintenant Monte Carlo, le plus célèbre des rallyes. Pas forcément, je dis ça, mais bon, il y en a plein. Hein. Il y a le Tour de Corse, il y a les Mille Lacs, il y a le RAC, voilà, il y a l'Acropole, il y a plein de bons rallyes. Ça va nous changer un petit peu. Alors, on peut régler... alors, il y a des pré-réglages, j'ai vu... détail de l'étape, donc c'est de l'asphalte à 98%. Est-ce qu'on a, on n'a pas des pré-réglages tout faits? Afficher les recommandations, appliquer les recommandations. Bah écoutez, voilà, on va faire comme ça. On va écouter. Alors, faut savoir que c'est Codemasters. Donc, Codemasters, comme dans les jeux de Formule 1, il y aura un ingénieur qui va vous dire ce qu'il faut faire. Bah écoutez, oui, on est d'accord. Charger les pré-réglages, c'est fait normalement. Oh là là, on fait chauffer la gomme. Alors, on va partir. 5, 4, 3, 2, 1, go. Attention, 60, droite 3, sur grosse bosse, corde, gauche 4, semi-long, 100. Oh là, c'est pas moi qui aurais garé ma voiture là. Serré à gauche sur crête. Mais bon, on est obligé, hein, c'est la montagne. Gauche, ferme 100. Oh là, ferme 100. On va essayer de faire un petit frein à main. Voilà, on l'a fait, on l'a fait. Vous ne l'avez pas vu ni ressenti, mais moi je l'ai senti en tout cas. On sent bien à l'arrière qui dérape. Gauche 6, 80. Gauche 6, continue sur 100. Droite 6, 60, crête. Attention, droite 4, ferme, gauche 5, sans couper.
Droite 6 et gauche 3. Way down. Sur droite 5, semi-long. Sur gauche 4, long. Sur droite 2, sur 80, après air de repos, ferme sur 1, gauche 4. Alors, je vous invite à aller voir mon petit test de WRC4 qui doit être dans les découvertes un peu plus haut sur la playlist. Et je trouve que ce rallye de Monte Carlo est bien mieux fait. Alors, je vais vous dire, il est plus sale en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est que le Monte Carlo, pour moi, c'est sale. Ce sont des feuilles, de la boue, de la neige, du gravier. Et il était trop propre, il était trop lisse sur WRC, je trouve, le Monte Carlo. Alors qu'ici, il a l'air un peu plus sale. Voilà, c'est ce que je veux dire. Un peu plus vivant. Regardez tout ce public. Tout ce public qui n'était pas là, hein, dans WRC. Dans WRC, vous avez des spécialistes. Regardez ce public. Non, franchement, c'est pas mal. Et le premier frein à main réussi. Allez, voilà. Il aura fallu du temps, mais j'ai réussi mon premier frein à main dans, on va dire, Dirt 4. Dirt Rally, hein, voilà. Alors, en fait, quand vous sauvegardez... Alors, j'ai été voir un peu mes captures tout à l'heure pour voir si ça allait. Et visiblement, le dossier, c'est Dirt 4. Alors, est-ce que Dirt Rally, c'est le nom de Work in Progress? Un peu comme Next Car Game est devenu Wreckfest sur Steam. On attend toujours des mises à jour. Je pense que tout le monde s'est barré avec le fric du côté de chez Bugbear. Bon, ça, c'était en passant. Écoutez, ça va bien mieux. On est que 5-6 secondes derrière le leader. Droite 3, semi-long. Capricorn. Sur droite 4, 120, crête. Sur gauche 5, long, 100. Attention, crête, possible saut, 60. Gauche 3, long, 60. Droite 3, long, 120. Eh bien écoutez, le feeling sur l'asphalte est convaincant aussi. On sent le grip qu'on n'avait pas tout à l'heure sur la terre. La différence est déjà bien présente au niveau de la physique. Bonjour monsieur le rocher. Ah, ça me rappelle... Vous voyez ces petites routes là? Cette petite route. Alors le petit drapeau à damier qui signifie qu'on va bientôt arriver. Et ensuite le rouge. Mais écoutez, on n'a pas cassé la voiture et on a fait une bonne spéciale. On doit être à moins de 10 secondes, peut-être à 10-12 secondes du premier. Bah, écoutez, voilà, on est à 9 secondes. Donc ça se passe bien mieux que tout à l'heure. Tout ce que j'espère, c'est que maintenant qu'on peut continuer ce rallye, qu'on n'ait pas de retour bureau lors de comme de la première étape. Alors là, là les amis, j'attends beaucoup de ce que je viens de lire. Le col du Turini, si vous avez vu le test de WRC, vous savez que le Turini, pour moi, c'est une des plus grandes légendes du sport auto. Donc on va voir si le Turini en vaut la peine. Alors j'en appelle à tous les fans de rallye qui sont abonnés à ma chaîne, ou qui viennent découvrir cette chaîne en regardant ce test avant d'aller acheter le jeu sur Steam. Dites-moi si pour vous, ça, c'est vraiment le Turini. Parce que vraiment, le Turini m'a extrêmement déçu dans WRC. Alors j'aimerais bien que vous me disiez si pour vous, ce col du Turini-ci vaut quelque chose. Bon, si vous n'êtes pas allé au Monte Carlo, ne donnez pas de fausses infos. Par contre, j'ai pas le bon choix de pneus et je vais le regretter parce que sur les parties glissantes, j'ai beaucoup moins de grip, on sent que l'adhérence est moins forte que tout à l'heure, il y a vraiment une différence. Ouais, on sent que c'est un peu plus délicat. Alors, une épingle gauche. Alors ici, on descend le Turini, si j'ai bien lu. Le frein à main, oui. Pas mal. Pas mal. Allez, on est 9 dixièmes. 150. Ah, il nous a dit just. Donc on n'est pas loin de la tête. Allez, allez. Je sais pas à quel niveau est l'IA. J'ai pas vu le niveau de difficulté. Je sais même pas si on peut le sélectionner. J'imagine que oui, bien entendu. Mais ça va peut-être passer un peu au-dessus de la tête. Droite 6 sur droite 3. Donc on va ralentir pour le droite 3. En tout cas, le bruit. Franchement, c'est pas mal. Hein. Vous allez rigoler, mais je prends du plaisir en tout cas. Je prends vraiment du plaisir. Il faut le dire, puisque c'est ce qu'on recherche hein, chez un jeu, au-delà de la simu, c'est le plaisir. Alors certes, c'est pas Richard Burns Rally, je le répète, et au fur et à mesure des minutes, je suis en train de me rendre compte que je suis peut-être en train... Oh non, on va aller se garer derrière, oh c'est dommage. On était en tête, regardez, allez, remets la première, allez, 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 allez. Regardez l'avantage qui repasse dans le rouge, ah c'est dommage, cette petite erreur. Je suis allé me garer en fait, j'ai dit bon, je vais aller...
Je vais aller chercher ma tarte aux pommes. Alors ça, c'est vraiment... pour ceux qui savent la bouteille d'eau et la tarte aux pommes, si vous savez de quoi je veux parler, eh bien, exprimez-vous dans les commentaires. Mais tout fan du rallye de Monte Carlo doit connaître... Oh, ah, je vous avais dit de pas vous garer là, hein, les amis. Ça, c'est votre faute. Hein. Si je prends le départ de la spéciale, il faut pas se garer là. Si vous savez de quoi je veux parler quand je parle de tarte aux pommes et de bouteille d'eau. Attention, gauche 4, long sur épingle droite. Au Monte Carlo. 40 sur crête. Allez. Allez, on commence à l'avoir bien en main. Ça commence à faire plaisir là, ça. On commence vraiment à tirer quelque chose de la voiture. Oh là, j'ai raté la tête de pont. Dieu merci. C'est pas grave, on touche un petit peu. Le frein à main, et ça glisse. Allez. Manque un peu de relance, mais bon, on commence à maîtriser les freins à main. Vous voyez que ma conduite est bien meilleure. Hein. Si vous avez tenu jusque là, félicitations. Après 40 minutes de vidéo. Oh, ah oui, chaque fois que je crois que je m'en sors, je suis rappelé à l'ordre. Ah, et on est à 12 secondes. Je pense qu'après ce rallye de Monte Carlo, on va se laisser. Quoique, si on a une autre voiture, je vous ferai peut-être un petit bonus. C'est pas grave, ça passe. Par contre, le frein moteur est pas énorme. Si vous y attendez dans le feeling, moi je vous donne mes ressentis. Hein. Après, vous prenez mes arguments. Alors, on n'est pas encore passé au-dessus. J'ai vraiment hâte de tester une propulsion. Sur droite 2, sur crête. Sur gauche 1, 150, soit arrivé. Allez, on va encore prendre 10 secondes. Ah, on est à 11 secondes cette fois-ci. 12, 13, ah là là, on perd du temps. Bon, on est à moins de 20 secondes du leader, c'est encore récupérable, hein. Il nous reste encore 2 étapes. Donc on fait ici 3ème et au général on est 2ème à 24 secondes du leader. Ça va devenir difficile mais allez, on va se dire qu'un top 3 serait bien les amis. Donc sprint en descente pour le Turini. Mi-journée ensoleillée. Et ensuite il y aura l'approche du col de Turini. Je dis toujours la montée du Turini, alors voilà. Alors est-ce que la montée se fait de nuit? Ce serait vraiment génial. Je cherche à voir si je dois réparer ma voiture. Voilà, réparer le véhicule. Ouh là là, oui. Alors, le radiateur, il en a besoin. Alors, on va faire les recommandations de l'équipe. Et on va les appliquer. Voilà. Ça, on va voir ce que eux, nous... Ah, de la neige et des chalets. Ah, on a peut-être pris des bons pneus. Ça avait peut-être fait une bêtise. Et voilà, le Turini, comme on l'aime. Alors, je pense qu'on en part du Turini. Je pense qu'après, l'arrivée sera ici en haut. Alors là, une spéciale beaucoup plus neigeuse. Enneigée, pardon, neigeuse. Alors, il neige pas, mais le terrain est plus glissant. Même beaucoup plus glissant, vous le sentez dans la voiture. Je navigue un petit peu. Épingle droite. Et voilà, ça commence à venir les épingles. Ça commence à venir tout doucement. Sur gauche, 160. Ouf. Droite 5, continue sur 80, ferme sur 160. Gauche 1, long. Oh, là j'ai la palette qui a ripé. Et droite 2, continue sur 100. Ouais non, là, c'est moi qui ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Et on sent qu'elle patine, hein. On sent que la voiture patine. Sur droite 4, sur crête. Oh là là, 20 secondes, donc là ça commence à sentir mauvais. Le frein à main. Donc je pense qu'il faut vraiment, ouais, il faut bosser au frein à main les virages sans souci, sinon vous n'allez pas braquer, vous allez être en sous-virage. Un petit peu de mur de neige ici, mais voilà. Maintenant que je sais que je suis condamné, restreint à utiliser le frein à main qui est très mal placé sur mon mapping. Oh là là, vous avez entendu les roulements qui sont énervés. Droite 2, long. Donc voilà, il faut absolument utiliser le frein à main pour les virages mi-vitesse. Sur gauche 2, long.
constamment du frein à main. Ah, ça c'est plutôt sympa. Regardez, là je donne un petit coup sur le frein à main, vous le sentez de toute façon. Voilà, donc en fait pour combler le sous-virage de la voiture, il faut utiliser le frein à main tout simplement. Alors pas en abuser, je crois, sinon ça va se retourner contre vous. En tout cas, il faut se bastonner avec le volant. Gauche 1, long. Et droite 2, long, 80. Je lance mon frein à main trop tôt. Gauche 5 sur crête, 40. 24 attention, secondes. Gauche 5 ferme, épingle gauche, crête. Et droite 5, long. Ah là, avec l'épingle, ouais voilà, il faut arriver avec le... 5, crête. Avec le frein à main. Et attention, droite 4, long après jonction, 40, ferme, milieu. Droite 3, après jonction, continue sur 80, sur droite 4, long 80. Gauche 5, long sur crête, 130, crête. Droite 3, long. Et gauche 3, semi-long sur crête, sur droite 2, sur attention, gauche 3, sans couper. Way behind. Ah bah trop de frein à main. Quand c'est pas dans un sens, c'est dans l'autre. Alors, quand vous faites une faute comme ça et que vous devez changer vos vitesses, si vous les passez trop vite, elles vont pas rentrer, tout simplement. Donc il faut faire attention à prendre le temps de bien placer vos vitesses, sinon elles ne rentreront pas. Donc en fait, c'est sur ces spéciales-là que l'on se rend compte qu'il ne faut pas mettre trop de force dans le volant. Donc là, je suis passé à 70% et honnêtement, 60 aurait été largement suffisant. Attention, ligne droite sur droite 3. Épingle gauche immédiate. Donc droite 3 et épingle gauche immédiate. Droite 6 sur crête. Donc voilà, donc il faut bien gérer son frein à main. Et ça vous permet attention, de mieux piloter. Sur épingle droite ferme. Bon, bah voilà. Encore une spéciale difficile, quelques fautes. Les spéciales sont assez techniques, mine de rien, contrairement au WRC. Alors bien évidemment, la comparaison va se faire forcément avec WRC. Ça va, on est encore troisième, on n'est pas encore au-delà du top 3, ce sera l'objectif hein, après le top 5 au Pays de Galles. La montée du Turini, alors j'espère vraiment que ça va pas planter. Donc là, 98% d'asphalte, 1% de glace, 1% de neige. Donc on va voir cette dernière étape. 5, 4, 3, 2, 1, go. Gauche 5, ferme sur 3 après jonction. Alors là, par contre, on a une limite de temps, on a 15 minutes pour monter, si j'ai bien vu, à droite. Droite 1, long, s'ouvre, 100 sur crête. Alors là, par contre, pas de frein à main sur l'asphalte pour l'instant. La voiture a assez d'adhérence pour braquer. Droite 4, long, 130 sur crête. Je suis très très prudent. C'est vrai que j'ai le frein à main sur scroll, j'aurais peut-être pu le mettre sur radio. Ça m'aurait évité des soucis. Puisque là, j'ai pas vraiment le pouce assez long. Gauche 3 sur gauche 2, long. Et gauche 4. Sur droite 4, long, ferme sur 3. Gauche 6, 60. We're down by 2 seconds. Droite 5, ferme sur 4. Gauche 5, crête 80 et... Gauche 3, semi-long, 100 dans tunnel. Droite 4, ferme sur bosse. Sur droite 6. Gauche 6. Droite 4, ferme sur épingle gauche immédiate. Sur gauche 6. Sur épingle droite, semi-long. J'ose pas repasser en première de peur de faire hurler le moteur. Gauche 4, 60 sur crête. Droite 5, ferme sur 4. 4 seconds down. Sur gauche 3, s'ouvre. Droite 5. Sur attention, gauche 5. Droite 1, long, sans couper. Sur gauche 3, long, 100.
Droite 3 sur droite 3 sur crête 60. Droite 4, 60. Gauche 1, long. Fallait bien que ça arrive. Sur droite 4, mais le gauche 1, elle me l'a annoncé trop tard. Le gauche 1, elle me l'a dit beaucoup trop tard. Assez dommage. Sur gauche 6, 60. Ah, le gauche 1, franchement, elle me l'a dit, j'étais dedans. Gauche 5, long sur enfin, le temps que je prenne l'information et que je l'applique, gauche, 6, j'étais trop loin. Donc 10 secondes, 6, ça devient 60, tendu. Droite 6, épingle gauche immédiate. Verglas à partir d'ici. Verglas à partir d'ici, ça marche. Le frein sur à main. Donc là, maintenant, ça va glisser. Donc faudra garder le frein 6, à main à portée de main. Ah, on voit le verglas, hein, la piste est glissante, elle est différente au niveau de la... Vous voyez pourquoi je veux pas repasser en première ? Gauche 6, long, serré à droite sur crête. Parce que c'est dur après, ça relance mieux mais le moulin a du mal. Double. Attention, droite 5, ferme sur 4. Gauche 3, ferme sur bosse sans couper. Sur arrivée. Ah, gauche ferme sur bosse, sur arrivée. Bah écoutez, on est 13 secondes derrière maintenant qu'il n'y a plus qu'à... Allez, 15 secondes, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que le garçon ait fait aussi une spéciale difficile. Bon, bah écoutez, on est 3ème. Et on est 3ème au général à 1 minute 15 du leader. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, on se fait 18 000 crédits. Donc, allègement, étape 1, installer, réglage avancé, progression 50%. Bah écoutez, voilà. Au classement général, on fait 6ème avec 25 points en ayant manqué une étape, hein, faute de volonté du jeu de nous laisser piloter la deuxième spéciale grecque. Voilà, bah écoutez. C'est pas mal, on a 47 000 crédits. On a menu sélection rapide, je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, d'accord, on peut naviguer en ligue, épreuve perso, d'accord. Ouais, d'accord, c'est un peu impratique. Donc championnat, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc Monte Carlo, open. Donc, soit maintenant, j'imagine qu'on peut passer... Mais non, mais 47 000, de toute façon, on n'a pas assez pour investir dans une autre voiture. Donc on peut aller faire un tour en mini, mais on va pas faire non plus un tour en mini. La course de côte n'est toujours pas dispo. Alors s'il y a du Pikes Peak, ça peut vraiment être intéressant. Alors ce qu'on peut faire... Alors je vais regarder parce que j'ai vu tout à l'heure un truc au-delà du menu carrière. C'est épreuve personnelle. Donc on peut faire du rallye. Donc on va se faire du rallye. Donc il n'y a que 3 rallyes dispo pour l'instant. On va faire du Pays de Galles. On va faire... une étape, type de résultat, communauté Delta ou Pilotia. Donc il y a le système de drive avatar, difficulté. Ah, on était en professionnel, d'accord. Bah écoute, on va faire Clubman. Et est-ce qu'on peut. On peut pas changer. À faire ça. Est-ce qu'on peut avoir. Yes, on a accès aux autres voitures, les amis. Ça, c'est intéressant. On a accès aux autres voitures. Alors beaucoup vont me dire le groupe B, le groupe B. Non, non. On va commencer par le groupe A. Tout simplement. Tout simplement le groupe A. Parce que pour moi, c'est là qu'ont commencé les premiers Colin McRae. Voilà, les premiers Dirt, les Colin McRae Rally, les amis, c'était le groupe A dans les années 90. Avec justement la Ford Escort. Je me rappelle du premier avec la Ford Escort, la Corolla, etc. Donc on va voir un peu la différence de conduite avec une voiture de type groupe A. Et si vous êtes sage, après, on fera peut-être du groupe B ou les années 80. Allez. La Ford Escort en version non préparée. 5, 4, 3, 2, 1, go. Droite 4, long, 60 sur bosse. Gauche 6 et droite 5, long sur crête, continue après jonction. Sur prudence, gauche 6 après jonction. Gauche 3 à travers porte, projection d'eau. Gauche 4. Sur gauche 6 sur saut. Sur attention, gauche 3, continue sur saut. Droite 1, long, ferme sans couper. Voilà, ça c'est déjà un peu plus intéressant. C'est déjà un peu plus intéressant. Et au niveau de la conduite, allez, allez, la première, s'il te plaît. Du mal de placer le changement de vitesse. Projection non vraiment, vraiment convaincante. Gauche 6 sur boss. 100 après air de repos. 100 après air de repos. Crête, gauche 4.
down by 5 seconds. Sur droite 6, milieu, sur crête, sur droite 6, 130. Sur gauche 6, continue sur 130, sur bosse, fossé intérieur. Gauche 5, corde, sur droite 3, sur crête. Crête, droite 6, sur gauche 3, ferme sur 2, après jonction. Sur droite 6, 60. Crête, saut possible après jonction. 170. Prudence, droite 6 sur saut, 60. Droite 6 sur crête après jonction. Sur prudence, gauche 6, crête, bosse. Droite 2, long, fossé intérieur. Ça correspond, alors c'est vraiment différent de ce qu'on avait tout à l'heure. Alors là, on va pas aller tuer de gens. Hein. C'est pas le but ici. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Et le frein à main. Ah non, vraiment, c'est vraiment bien. Alors pour les puristes, ce que je fais, c'est un peu dérangeant. Mais rappelez-vous, les amis, le tout premier Colin McRae Rally, c'était ça, les amis. C'était de la Ford Escort. C'était de la Ford Escort aux couleurs de Bruno Thierry et de Yua Kankunen, si je dis pas de bêtises. Ou Tommy Ma... Non, pas Tommy Mäkinen, pardon. C'était Mitsubishi. Je ne sais plus qui pilotait. C'était un Finlandais qui pilotait avec Bruno Thierry. Je vais me faire taper sur les doigts pour ne pas savoir avoir réussi à dire ça. Puisqu'il y a eu aussi Carlos Sainz hein, sur les fameuses Escort Repsol. Et on arrive dans la forêt écossaise. Alors on est à 14. Oh, la grosse faute. Le vol plané. Alors il n'y a pas de bouton pour allumer les phares. Ça aurait pu être sympa. On va passer en vue capot hein, les amis pour la fin de la spéciale. Donc ça vous aurait vu un petit peu comment ça se passe. En tout cas une voiture qui a plus un comportement rallye comme on a l'habitude dans les jeux récents. Forcément les voitures ont 30 ans d'écart avec les précédentes. Il faut dire que c'est ce qui fait aussi la différence. Plus de puissance, plus de reprise, plus de logique pour moi de ce que je peux m'attendre à d'une voiture de rallye. C'est vrai que les voitures historiques, c'est pas vraiment la bonne idée. Je vous promets qu'après on va tester. Allez, on va aller tester la Quattro et on va se laisser sur une spéciale avec l'Audi Quattro. Puisque la Quattro, vous savez, c'est avec la Stratos. Waouh, la Stratos, j'hésite encore. On verra bien les livrets dispo. Puisque ce sont mes deux voitures de rallye préférées. Ou du moins de l'époque. Oh putain, c'est vraiment génial. C'est vraiment, vraiment pas mal. On n'est pas au niveau d'un Richard Burns Rally, mais on a un très bon jeu de rallye dans son comportement. Alors, il n'y a pas d'artifice comme vous avez du drift, du Gymkhana. Ils sont partis là-dedans absolument à cause de notre ami Ken Block. Mais franchement, un vrai jeu de rallye, comme on en fait, on n'en fait plus, tout simplement. Je pense que Sébastien Loeb Rallye Evo va décevoir et va être un copier-coller de WRC4 et WRC5. Ce sera peut-être pas mieux. On va faire de la graisse. Et vous avez choisi, on ira faire du groupe B, les amis. Alors, est-ce qu'au niveau des couleurs, on peut... Je peux pas changer les couleurs ? Non, je peux pas. Bah écoutez, voilà, on part avec les couleurs Quattro, les couleurs Audi de 87, je pense. La voiture blanche avec les bandes noires et grises, c'est 87 avec Walter Rohr, hein, Walter Rohr qui avait remporté cette année-là, Pikes Peak, la course de côte américaine. Alors attention, verdict du bruit. On a pu prendre la 205 Turbo 16 aussi. Ah, alors là, moi j'ai monté le son dans mes oreilles. Oh oui. 2, 1, go. Attention, gauche 4, long, milieu. Sur droite 5, semi-long, sans couper, serré à droite sur crête. Gauche 4, long. Sur attention, droite 2, long, milieu. 170. Attention, saut, droite 5, ferme, sans couper. Gauche 6. Sur gauche 6, long, 80 sur bosse. Alors ça, c'est vraiment le pied intégral. Est-ce que vous avez entendu ce son ? Parce que non, ce n'est pas du bruit. Pour une Quattro, pour moi, c'est du son. Alors ce plan-là me rappelle
un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, que je vois depuis longtemps, hein, que j'ai depuis que je suis gamin. Mais c'est le rallye. Alors, cherchez sur YouTube Rallye du Portugal 85, si je dis pas de bêtises, où vous voyez cette Audi Quattro avec une caméra absolument placée comme celle-ci, où la foule s'écarte littéralement au passage de la voiture. Alors que moi, je suis indigne de cette. Et je pense que la caméra embarquée était dans la voiture de Michel Mouton ou de Walter Rohr, je sais plus. Michel Mouton, une des femmes les plus performantes en rallye, quand même. Mais cette Quattro ouvre la foule, tel Moïse ouvrant l'eau. C'est assez impressionnant. Si vous n'avez, je parle aux plus jeunes, hein, pas forcément la vingtaine, hein, qui regardent ces vidéos. Les amis, allez chercher ça sur YouTube. C'est vraiment un spectacle que vous ne voyez plus aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Le rallye du Portugal 85. Vraiment de très belles archives à mater, hein, quand on est fan de sport auto. Ah, oh, mais ce son. Et franchement, dans tous les dirt, le son a toujours été excellent. Ils ont toujours réussi le son de la Quattro. Alors je dis pas que c'est vraiment le même que dans les dirt précédents. On sent le sifflement du turbo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me taire et je vais essayer de me concentrer et vous procurer un gameplay pas trop pourri. Et on va essayer de terminer ensemble cette spéciale et profiter du son de cette légende de notre discipline favorite. Et voilà, une des choses qui a fait qu'on aime le sport auto quand on est gamin, l'Audi Quattro. Crête, gauche 5, droite 4 dans descente, gauche 5, droite 4 dans descente, sans couper, gauche 6 continue sur 80, ferme sur 5, 60. Droite 2, semi-long. Far off the pace. Et droite 6. Gauche 6, 130. Serré à droite après jonction sur bosse, et 3, 60. Droite 6, attention, ralentissement, 60 sur crête. Droite 4, sans couper. Et gauche 5, long après jonction. Droite 6, gauche 6. Attention, 100, serré à gauche sur crête. Droite 4, long, sans couper. Sur attention, gauche 6, crête, possible saut. Gauche 6, corde. Droite 6, gauche 6. Et gauche 4, semi-long. Droite 5, sans couper, 100. Gauche 1, long. Ferme et étroit, 60. Droite 6, 60. Gauche 6, 60. Gauche 6, sur attention, bosse étroit. Gauche 6, droite 6. Droite 6 continue sur 80, ferme sur 5 et continue. Sur gauche 3, long. Et droite 6. Sur serré à gauche sur petite crête, 60, serré à droite sur crête. Et attention, gauche 6. Sur droite 1, continue sur 100. Droite 4, ferme. Gauche 5, semi-long. 80, crête. Droite 6, long sur gauche 6. Et droite 6, long. Virage gauche 1. Gauche 4, continue sur 80, crête. Droite 1, long 80. Gauche 5, sans couper. Droite 4, continue sur 80 sur crête. Droite 6, sur gauche 3. Et droite 4, semi-long. Et gauche 5. Et droite 6, 60, serré à gauche sur crête. 120, sur arrivée. Voilà, ben écoutez, on n'est pas encore à une heure sur mon compteur, mais on devrait pas les avoir dépassés de beaucoup. Je me tâte à vous faire une petite course encore, parce que moi je prends beaucoup de plaisir. Alors je pense que je vais faire un truc, c'est que je vais couper. Allez, avec les phares, les essuie-glaces, les amis, et un bon son. Oh là là, ça sent bon, avec
le contour ajouté pour le la pression du turbo. Et là, on est vraiment dans la neige. Ah bah écoutez, là, je regrette vraiment pas de vous avoir rajouté cette spéciale. Parce que là, franchement, on va découvrir ce que c'est de piloter dans la neige au Monte Carlo. Et ça, c'est pas la neige de dirt, hein, les amis. Ça, c'est de la neige. Gauche 1 s'ouvre 100. Droite 5. Et gauche 6 sur droite 5. Sur gauche 5, long, ferme sur 4. Et droite 2. Droite 1. Gauche 3, 150 dans descente. Ah, l'affichage des lumières, c'est ce que je voulais voir, c'est si en fait on a le tableau de bord qui s'allume, en effet. Sur crête. Droite 6, long, ferme sur 5 et continue, 80. Gauche 5, long sur crête, 60. Épingle gauche. 3, long. S'ouvre, 100. Attention, gauche 5, long sur crête. Droite 6 et gauche 5, semi-long, ferme épingle droite immédiate. 80. We're well down. Droite 5, semi-long. Oh, c'est vraiment excellent. Je sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas derrière le volant, je m'éclate. J'ai pas envie de terminer cette vidéo en fait, voilà. Au moment où je dis ça, on va bientôt me forcer. Alors on va tout simplement la relancer, voilà. On va voir un petit peu les autres vues. Au niveau du son. Oh, les effets de phare et tout, non franchement c'est vraiment convaincant. On va essayer de rester comme ça, en vue capot, voilà. Semi-long glissant. Et droite 5, semi-long sur crête. Gauche 4. Et attention, droite 6 continue sans couper. Sur épingle gauche. 100. Gauche 6. On ne peut pas tuer des gens. Et 15 secondes de pénalité pour un meurtre. Ça va, c'est pas encore trop cher payé, je trouve. Non mais voilà, bah écoutez. On va finir cette spéciale, on est bientôt à la moitié. En tout cas, c'est vraiment convaincant. Moi, je suis impatient de voir comment tout cela va évoluer dans les prochains mois. On nous annonce plusieurs voitures, beaucoup de tracés. Bon, pour l'instant, on est limité à 3 mondes, on va dire 3 épreuves. Et 14 voitures. Je pense que je vais me tester, je vais passer une petite soirée avec vous peut-être. Allez, peut-être en live, peut-être faire un petit streaming violent. 4 longs sur épingle droite. Far off the pace. Gauche 6. Et droite 4 longs. Et droite 5. Gauche 6. Droite 6, semi-long sur crête 80. Crête gauche 1, semi-long 100. Route gelée à partir d'ici. Gauche 6 sur crête 60. Prudence droite 5, ferme sur 4 sans couper. Gauche 6 sur droite 6. Gauche 5, 60. Gauche 4, long sur crête, continue 80. Épingle gauche. 60. Droite 5, long, ferme sur crête. On voyait que les épingles, c'est à bosser hein, avec le frein à main. Sur gauche 5, 130. Attention, épingle droite. Et on voit rien et c'est gelé. 100. Milieu sur crête. Gauche 6, 60. Gauche 4, long. Droite 5, corde. Gauche 6, semi-long, corde, 100. Attention, droite 6, long dans descente, freinage, épingle gauche. Way off the pace. 100, montée. Gauche 6. Vous voyez, donc ça marche. Donc j'ai essayé de réaccélérer trop tôt. Et en effet, si vous maintenez accéléré sur la glace, eh bien vous dérapez. Alors que tout à l'heure, j'ai essayé de sortir pied à fond, tout simplement, sur une surface sèche. Et la voiture a tenu sur de l'asphalte sec.
Putain, c'est vraiment, vraiment génial. Gauche 6, 60. C'est compliqué hein, de relâcher au bon moment l'accélérateur. Donc un jeu qui demande de la pratique, qui est beaucoup plus compliqué que les derniers dirt. Si vous avez trouvé les derniers dirt faciles, eh bien, je vous invite eh bien, à vous alléger de 26€ et de 29€ à partir du 4 mai et d'investir dans ce dirt rally qui eh bien, est très prometteur. Pour l'instant un peu léger en contenu en termes de pistes, en voiture ça va, il y en a quand même 14, il y a des jeux qui sont sortis avec moins de voitures que ça. Je vous rappelle WRC 2, WRC 1, WRC 3 sur précédente génération de consoles. Donc franchement, les voitures mises à disposition sont correctement réalisées, c'est vraiment un choix ludique qui fera certainement craquer les passionnés. Hein. Vous savez, bon, la M3, la Sierra, l'Escort, la Quattro, la Stratos... Et même la Mini, et on arrive en haut du Turini, et on fait un énorme tête à queue. Oh là, le garçon a eu peur. Navré de t'avoir mis une telle frayeur. Et on arrive, regardez, voilà, en haut du Turini pour l'arrivée. Et c'est donc terminé pour cette spéciale. On a fait beaucoup de bêtises, la voiture se salive, hein. Vraiment, c'est pas mal. Donc on a fait 8ème, en mode médium. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi avec moi cette découverte de l'Early Access de Dirt Rally, un jeu disponible donc pour 26,99€ sur Steam. Le lien pour accéder au jeu est dans la description. N'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires sur tous les sujets qu'on a abordés. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que des gens hésitent avant de l'acheter ce jeu. Alors, mon ressenti au bout de allez, une bonne grosseur de jeu, un petit manque de stabilité, mais c'est de l'Early Access donc c'est pas grave. Des sons corrects, des graphismes corrects, on va pas se mentir, c'est correct, c'est digne de... Je pense que ça tourne sur une One ou une PS4 sans problème. C'est fluide, pas trop de soucis de ralentissement, même si j'en ai eu au début, mais c'était dû à la capture, après vérification. Un bon choix de voiture, un choix de spécial un peu léger. On nous promet du hill climb dans de la course de côte, donc ça j'attends vraiment. Et voilà, au niveau du rallye, vous avez quand même... Voilà, je veux dire, vous avez un choix de voiture qui est vraiment complet, même dans, bon, dans les voitures récentes, on attendrait peut-être... alors, il y a des... ce qui est bien, c'est qu'il y a des livrets officiels un peu détournés. Donc voilà, donc c'est complet pour une Early Access, ça vaut 25 boules, ça vaut, allez, 27 boules, ça vaut largement son prix, ça s'appelle Dirt Rally. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette heure entre nous à découvrir ce jeu, et je vous dis à très vite pour une vidéo sur la chaîne, bien entendu. Allez, salut et bon amusement sur la piste.